Séquence mémorielle archivée. Recalibrage paramètres de veille de l'AMUS. J'ai voulu partir. Je voulais vivre ma vie. À ma façon.
J'avais 16 ans. Et où est-ce que j'allais? Loin d'ici. C'était mon but. Si on peut appeler ça... un but. Ils n'ont jamais deviné ce que je faisais, parce que je ne le savais pas moi-même. Je suis parti à pied. Quelqu'un a vu que je n'étais plus là. Ils ont crié. J'ai couru. Desmond ! Desmond ! J'ai couru sans jamais m'arrêter. Mon entraînement me servait enfin à quelque chose.
faisait si sombre quand je suis parti. Et la forêt, interminable. J'ai évité les routes. Ma mère m'a appelé. Elle m'a supplié de revenir. Mais j'ai continué. J'ai dévalé les collines. J'ai trouvé un ruisseau. Je l'ai suivi jusqu'à une rivière qui m'a conduit à une vieille route d'accès.
J'ai marché des heures ce jour-là. Le soleil était tenu chaud jusqu'au soir. À la nuit tombée, j'ai trouvé une clairière. Je me suis allongé sous les étoiles. Je n'ai jamais aussi bien dormi. J'avais trop peur de faire du stop. Qu'est-ce que je foutais? Je me suis perdu un jour entier. Ça m'a semblé une semaine. Un océan sans fin de terre craquelée. J'avais jamais rien vu de si désolé. Je vais mourir, c'est ça? C'est ici que je vais mourir. J'ai rencontré des filles de l'Illinois. Sympa, pleine de vie. Un jour de voiture jusqu'à Omaha, un autre pour Chicago.
Et puis quelque part, quelqu'un m'a dit... Si tu n'as rien, va à New York. Si tu en pars sans rien, les gens ne te poseront pas de questions. Et si tu en pars avec quelque chose, au moins là, tu pourras t'estimer chanceux. Alors c'est là que je suis allé. New York. Au milieu des gratte-ciels, des métros, dans la crasse et la démesure. Au cœur de la foule.